qui moi me fait bouillir, c'est d'enfermer la femme et arabe et marocaine et puis les jeunes dans des poncifs de soumission. D'ailleurs là on s'est quand même pris une claque dans la figure avec les révolutions arabes. Mon film a été tourné avant, mais les femmes arabes sont d'une résistance au sens d'une subversion, d'une collaboration avec le réel qui est tout le temps dans le fait de faire de jouer avec les interdits, de le faire sans ostentation, sans être dans le dogmatisme, sans être dans l'idéologie, mais en étant dans la subversion la plus totale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est à la base même de l'élan qui me donne envie de faire du cinéma. C'est-à-dire que ces personnages-là, c'est pas qu'il y a une carence, mais en tout cas, ils doivent exister. Trépiche. Planir. T'as pas la sable de coucher. Je vais te donner un garage. Je donne. À la scrape de ce mal. جيب بلاصتو، جيبها قاطع اللازو، غندخل راسي، أنا بالخيط ولا لا؟ J'étais en train de tourner mon premier film documentaire à Tanger, et donc je tournais de nuit, majoritairement du crépuscule à l'aube, sur le port, parce que mes personnages principaux étaient des immigrés clandestins, ce qu'on appelle les brûleurs. Et donc, à ce moment-là, j'étais extrêmement frappée en fait par les hordes de femmes qui sortaient des ateliers et cette espèce de va-et-vient incroyable dans la ville où il y avait vraiment une armée en marche. Et puis c'était extrêmement visuel, c'était très physique, c'était hyper cinématographique. Et donc, entre deux séquences tournées avec les brûleurs, j'ai commencé à discuter un peu avec elles. Et j'ai appris qu'il y avait deux castes comme ça, très étanches. Et visuellement, ça se voyait aussi, ça sautait aux yeux. Il y avait les textiles, les ouvrières textiles et les ouvrières crevettes. Donc à partir de ce motif-là, ça tournait dans tous les sens dans ma tête. Et puis j'ai fait deux autres films. J'étais en tournage de mon troisième film documentaire. Et là, je lisais beaucoup la presse à scandale pour me marrer un peu, en fait. Et j'ai vu en fait plusieurs faits divers qui parlaient de la féminisation de la criminalité. Et dont un particulièrement qui m'a beaucoup accroché, qui parlait d'un gang de 5 filles qui étaient à moitié ouvrières, à moitié... C'était ailleurs, c'était à Rabat, enfin à côté de Rabat, qui s'appelait une petite ville qui s'appelle Tmara. Et donc à partir de là, j'ai imaginé un film noir qui partait d'une matrice qui serait coloration naturaliste. Il y avait une sorte de lien, je pense, entre Leïla et moi aussi, l'envie d'être deux filles qui avons cette forme d'énergie, en tout cas, de parler deux filles et d'une manière que moi j'ai l'impression, on voit pas si souvent que ça au cinéma, avec quelque chose qui est presque un peu un monde, pas hors des hommes, mais quelque chose quand même où les hommes n'ont pas une si grande importance, en tout cas dans le film, où ils font plus partie de la société autour. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup dans le projet, c'était une manière de voir des filles d'aujourd'hui, contemporaines, avec un peu leur tchatch, hors des clichés qu'on voit souvent sur les filles du Moyen-Orient. Et c'est des filles voilà, qu'on rencontre vraiment à Tanger, qu'on rencontre, je pense, dans tout le Maroc et dans plein d'autres pays, en fait, qui ont juste envie de s'en sortir et qui trimballent ce côté un peu genre le monde peut m'appartenir quand même à un moment. Et même si ça va pas être simple et de toute façon on va pas s'en sortir, mais c'est pas grave, on a le groove ou le truc d'essayer quoi. Et ça, moi, c'est ça que j'aimais beaucoup dans le projet.
enfin les films, moi, je trouve intéressants, c'est aussi des films qui sont plastiques, non pas au sens esthétique, mais plastiques au sens modelable, c'est-à-dire qui sont ouverts à ce qui se passe, éventuellement aux accidents, à l'inattendu, au hasard, et qui, au lieu d'être dérangés en disant « coupez, on refait la prise, sortez ça du champ », s'en arrangent et disent « bon, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose là, une sorte de télescopage, qu'on peut en faire quelque chose ». Donc ça, ça demande, je dirais, une complicité, des réactions collectives et presque instinctives par moment, d'où l'importance des équipes comme ça, des collaborations qui se constituent, qui se répètent. Ben voilà, oui. Hein, c'est comme la chasse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être prêt au cinéma. Si on part avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qu'on va chasser, on ne sait jamais ce qu'on va ramener. Mais au moins, il faut savoir ce qu'on cherche et être prêt à faire autre chose, quoi. Alors évidemment, comme c'était son premier film, sa première fiction, parce qu'elle a fait des documentaires, elle m'a demandé à moi, qui suis son ami depuis longtemps, de venir l'aider parce qu'elle était plus... plus sécurisée comme ça, d'avoir quelqu'un de confiance avec elle. Et puis voilà, donc c'est une histoire de copain. Je suis rentré en coproduction par amitié, et puis parce que j'avais envie de faire ce film. Elle a commencé à me parler du port de Tanger, des ouvrières. Elle avait un terme, évidemment, c'était des ouvrières crevettes, ouvrières textiles, je trouve ça d'abord super romanesque. Le port de Tanger, Tanger, ville mythique, ville de trafic, toujours d'ailleurs, hein, c'est une ville basée sur le trafic, partout. Les gens revendent des trucs qu'ils ont piqués à la frontière, il y a des tas de façons de passer de Ceuta, la ville espagnole. Et elle avait une idée formidable, c'est que une des ouvrières crevettes ne supporte pas d'être une ouvrière crevette, et son rêve, son but absolu, c'est l'usine en face. Ça, je trouvais ça absolument génial, c'est parce que la misère de tous nos rêves était concentrée là-dedans, et ensuite elle déchaîne là-dedans toute la folie de la jeunesse, de l'adolescence, qui se sent comme ça étriquée. Ça veut dire quoi quand on est dans un conditionnement tel que finalement le travail est le seul rapport à soi et au monde, ça devient enfin complètement une aliénation métaphysique, mais une traideuse à la défense pour moi est tout aussi aliénée qu'une éplucheuse de crevettes. Toutes choses étant égales par ailleurs, mais pour moi c'était plus cette aliénation au travail, où à partir du moment où c'est le revenu qui... plus vous gagnez, en fait c'est ça le problème de la fille crevette, c'est que plus elle gagne, puisqu'elle est payée à l'unité, plus elle est perdue, puisqu'elle veut gagner plus. Et cette parabole qui est à la fois très physique, est pour moi extrêmement métaphysique. Et on est parti comme des fous sur cette affaire, avec comme consigne, on ne tourne pas un film, on tourne un film, mais on tourne un documentaire. C'est-à-dire qu'on a comme priorité d'avoir la pluie quand on veut la pluie, donc de l'attendre. S'il n'y a pas la pluie, on arrête, on tourne autre chose, et l'équipe doit suivre. Alors, on voulait la pluie, on l'a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu un déluge de flotte, et on tournait la nuit. Dans les deux nuits, sous des pluies battantes, à tel point d'ailleurs qu'à un moment donné, Tanger a été isolé du reste du pays, puisque les autoroutes étaient submergées d'eau, enfin c'était vraiment dingue. Et voilà, quoi. Enfin, on a réussi à faire ce film dans des conditions avec peu d'argent, avec une équipe parfois courageuse, parfois un peu découragée, et puis, mais malgré tout, on est arrivé au bout.
avait une idée très précise de cette usine de crevettes, parce qu'on avait visité plusieurs au moment des repérages, c'est-à-dire un lieu très aseptisé, où bizarrement il fait très froid, parce qu'il décortique les crevettes qui sont encore congelées, où il y a une odeur incroyable, d'ammoniac mélangé et tout, c'est absolument froid. Et on voulait recréer cette chose à l'image, c'est-à-dire faire ressentir aux gens, au public, il fait froid dans cette usine, et les filles sont vraiment accaparées par l'odeur de la crevette en permanence. D'où les tas de crevettes, d'où ces déchets de crevettes qui sont partout. Et on a voulu choisir une lumière très blanche. Donc pour ça, impossible de tourner dans un décor naturel, puisque les usines ne voulaient pas nous laisser tourner à l'intérieur de chez elles. Pour deux raisons, on arrêtait la chaîne, on ne voulait pas tout ça. Donc on a trouvé un vieux hangar un peu perdu dans la montagne où on a recréé totalement le décor. Là, pour la lumière, donc je voulais une lumière blanche, blafarde, laiteuse. Et la solution qui s'offrait à moi, vu les moyens qu'on avait aussi et le peu de temps pour tourner, c'est là où j'ai construit ces barres de néon qu'on voit pendant tout le film sur les plans larges. Où j'ai, avec un constructeur marocain, on a un petit peu galéré pour les mettre en place. Parce que la contrainte, il fallait pas que ça bouge, il fallait que ça soit hyper ligné. Donc pendant une semaine, on a fait des recherches. On les a fait en bois, on les a fait en fer, on les a fait... On a fait pas mal d'essais avant d'arriver à quelque chose qui marche, quoi. Tu vois, c'est... Et les néons, au début, on avait des néons chinois, donc il y avait des verts, des rouges, des bleus, il y avait toutes les couleurs, mais en fin de compte, la veille du tournage, on a réussi à avoir des néons blancs qui marchaient à peu près. Tout le hors-champ visuel, c'est évidemment une intention d'écriture, c'est qu'il y ait très peu d'ouverture et donc que tout existe par le son. Et qui est une écriture différente en fait à l'image et au son. Donc la mer est là, la rumeur de la ville est là, le hors-champ de la maison collective est là, avec les conversations des chambres qui vivent, les murs qui palpitent. En réalité. Et les parents qui sont là, les parents qui sont hors-champ, la famille qui est hors-champ. Les hommes ne sont pas hors-champ, mais ils sont juste silhouettés. Ce qui m'étonne toujours, c'est que les gens entendent, en fait, il y a